La reine a annulé ses projets de Noël cette année alors que la menace du coronavirus augmente de jour en jour. Alors, où la famille royale passera-t-elle plutôt Noël 2021? Le palais de Buckingham a annoncé que la reine passerait Noël à Windsor cette année, marquant un énorme changement par rapport à sa tradition habituelle de célébrer à Sandringham. C'est la deuxième année consécutive que la famille royale est obligée de rompre avec la longue tradition de Noël à la maison de Norfolk, qui a été annulée cette année en raison de la menace croissante de la variante du coronavirus Omicron. Des hauts responsables ont qualifié la décision de précaution. L'annulation signifie que la famille n'assistera pas au service religieux du matin de Noël à Saint-Mary-Magdalene à Sandringham. On pense qu'une grande partie de la décision a été prise pour que les foules ne se rassemblent pas lorsque la famille fait sa promenade annuelle à l'église le matin de Noël. L'annulation clôt une année extrêmement difficile pour la monarque, avec la perte de son mari le prince Philippe en avril et divers problèmes de santé l'obligeant à annuler un certain nombre d'engagements cet automne. Le duc d'Édimbourg a passé une grande partie de son temps après sa retraite à Woodfarm sur le domaine de Sandringham, mais a vécu avec la reine dans la résidence principale lorsqu'elle y est restée. L'année dernière, le couple a passé un dernier Noël ensemble au château de Windsor dans une bulle Covid avec leurs assistants royaux. Sandringham est également l'endroit où le père de la reine est décédé le 6 février 1952, et Elon pense donc que l'annulation frappera particulièrement la reine. Cependant, on pense que la reine ne passera pas Noël 2021 sans compagnie, les membres de la famille royale prévoyant de lui rendre visite quel que soit l'endroit où elle se trouve. Où la famille royale passera-t-elle Noël? Une source royale anonyme a déclaré, « Sa Majesté a décidé de célébrer Noël à Windsor et ne se rendra pas à Sandringham. » La décision était personnelle après un examen attentif et reflète une approche de précaution. Il y aura de la famille qui visitera Windsor pendant la période de Noël et toutes les directives appropriées seront suivies. Point.